Bonjour à toutes et à tous, c'est Chou, bienvenue pour cette quatrième vidéo sur F1 2016. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau rival apparemment. Donc du coup, quand on bat un rival, on en a un autre au fur et à mesure. Et aujourd'hui, c'est Carlos Sainz Junior de l'écurie Toro Rosso. Donc, c'est parti, let's go. Et aujourd'hui, on se retrouve en Russie pour la quatrième manche, en Russie, Sochi exactement, autour du stade olympique, là où, où il y a eu les Jeux Olympiques d'hiver en 2014. Donc, c'est parti. Écoutez, boîte vocale, non, ordinateur portable, c'est parti pour les qualifications, j'ai déjà fait les essais libres, ça s'est pas trop mal passé, mais il pleuvait. Maintenant, j'espère qu'il va faire beau, c'est parti. Bienvenue aux fans de Formule 1, où les qualifications vont commencer dans les minutes qui viennent, alors que les équipes se préparent à sortir sur la piste du Sochi Autodrome. Ça m'a tout l'air du type de circuit qui va être très exigeant envers les pneus arrière, avec beaucoup de sorties de virages lentes. Voilà un circuit où les caractéristiques des monoplaces comptent autant que le style des pilotes. Les nombreuses sorties de virages lentes vont donner du fil à retordre aux pneus arrière et les pilotes devront gérer leur accélération pour éviter patinage et surchauffe, ce qui les abîme très rapidement. Allez, on va essayer d'avoir notre troisième pole position d'affilée. C'est pas gagné, mais on va essayer. Allez, c'est parti. C'est un circuit en ville. Il est assez rapide pour le moment. Il fait beau, ça c'est parfait. Allez. Là, c'est le gros virage avant l'arrivée. Là, pareil. Et là on accélère. Allez, on accélère. Parti pour notre premier tour. On n'est pas trop mal. On est à fond là. Sacré point de vitesse. Un peu la rapidité là, un truc de fou cette courbe, le stade olympique à gauche. Ce circuit est vraiment sympa. Parfait. Pas de trop grosses erreurs. J'ai loupé une trajectoire correcte, mais bon. Parfait. C'est un circuit assez long. On arrive au dernier virage là. C'est chaud. Sortie de route, avertissement. Meilleur tour pour moi. Allez. On va enchaîner un second. Après on ira directement à la course. Devant Vettel pour l'instant. Fait cette courbe, j'adore cette courbe. Attention, on devrait éviter la pluie, mais si un fond d'orage apparaît, on te le dira. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'orage en vue, hein, ça se voit, il fait beau. J'espère que je vais pas être gêné par lui là-bas. C'est Hülkenberg. J'ai pris une meilleure trajectoire ici que tout à l'heure. Je suis moins bien ressorti par contre. On arrive vite, on arrive vite.
Tu me laissais passer, oui. Peut-être dans son tour lancé, lui, mais je suis quand même beaucoup plus rapide que lui. Ah, je suis gêné. Il va au stand. Tout ça pour ça, quoi. J'espère que j'ai pas perdu beaucoup de temps. Ah, yeah, je suis troisième. Je vais faire un autre tour. J'étais un peu gêné. Allez, à fond. Il y a de quoi faire sur cette course. Il faut la gagner, celle-là, de course. Ah, c'est bien. Je commence à bien prendre en main le volant. Ça se voit de suite, de toute façon, au fur et à mesure. Hein. J'avais fait une vidéo, souvenez-vous, vidéo découverte de F1 2015 avec mon volant, l'ancien volant que j'avais, le Thrustmaster pardon, T150. C'est le jour et la nuit, hein. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce GV9. Ah, c'est pas la même gamme de prix non plus, mais. Ah, le GV9, c'est génial quoi. Allez, on fonce. Ah, j'ai accéléré trop vite. C'est pas grave. Ouais, c'est bon. On est devant Jenson. C'est plus mon rival de toute façon, c'est Carlos Sainz maintenant. Bon, c'est quand même mon coéquipier, il faut qu'il prenne des points. Tour annulé, à quitter la piste. Ok, on va rester sur ce temps là. Pour l'instant je suis 3ème des qualifications. On passe à la course, c'est parti. La grille pour la course de demain est maintenant établie. Jetons rapidement un œil aux trois meilleurs chronos. Hamilton, Rosberg et Daniel Ricciardo. Nous vous disons donc au revoir, mais la course promet d'être passionnante. Bienvenue à Sochi, où nous nous préparons à suivre le Grand Prix de Russie. Le championnat est loin d'être terminé, mais la bataille va être sans pitié sur ce circuit inauguré en 2014 et qui a déjà été le théâtre de belles courses. Construit sur les rives de la mer Noire, l'autodrome de Sochi vous offre sur 5,7 km un aperçu des infrastructures des Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Les barrières en bord de piste rendent les dépassements dangereux, mais avec 56% du tour à pleine vitesse, nous allons avoir notre compte de vitesse pure. C'est une arène où s'affronte la crème du sport automobile. À mes côtés aujourd'hui, j'accueille Nicolas Martin en personne. La première année, ce circuit a connu un démarrage hésitant, mais depuis, il attire les foules et c'est devenu un événement populaire. Comment expliquez-vous cela ? D'après moi, cela montre simplement l'importance de résoudre les problèmes quand on les découvre. En 2014, avec l'arrivée des nouveaux pneumatiques, personne ne voulait prendre de risques, ce qui réduisait les options en termes de stratégie. En gros, vous couriez avec les mêmes du début à la fin. Mais ce fut très formateur, et à notre retour l'année suivante, nous avons assisté à un Grand Prix digne de ce nom, où le suspense était présent jusqu'au dernier tour. Espérons donc que nous serons aussi gâtés que l'an dernier. Notre position sur la grille est encore meilleure que prévu, essaie de la conserver. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Lewis Hamilton part en pole, suivi de Nico Rosberg. En ce qui concerne le reste de la grille, Ricciardo, Verstappen, une McLaren et Vettel. Kvyat, Button, Sainz et Felipe Nasser. Perez, Bottas, Nico Hülkenberg et Grosjean. Raikkonen, Massa, Marcus Ericsson et Julian Palmer. Arianto et Gutiérrez. Kevin Magnussen et Pascal Wehrlein complètent la grille de départ. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. Allez, c'est la course. Cinquième sur la grille. Il est temps de faire le show.
Du moins, on va essayer. C'est parti. On débraye, on accélère. Attention, parti. Ok, mauvais départ. J'ai pas eu un bon temps de réponse. Par contre, Verstappen, oui. Là, à droite, c'est personne, je vais rester à droite. Il y a un gros virage là-bas. Faut faire gaffe. Oh, 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 oh. On se calme, les enfants. C'est bon. Quatrième. J'ai bien fait de rester sur la droite, c'est super dangereux. La super courbe, et là on freine. C'est tendu. Ça risque d'être dur tout le long, hein. C'est vrai que les qualifications, on est tout seul, tout ça, ça va vite, très très vite, ce circuit est vraiment très bien, mais avec les autres voitures, c'est assez serré. Rosberg, Hamilton, Verstappen, ok. Allez à fond. Pas bien rentré dans la courbe. Faut être patient pour le doubler. Voilà, ça passe. Allez. J'ai tenté le coup dans le dernier tour, c'est bon, c'est passé. J'ai été obligé de freiner. J'étais opportuniste, très bon dépassement. Dépassage. Très bon dépassement, mais il est revenu comme un boulet de canon, regardez. Tu passeras pas, mon gars, tu passeras pas, tu passeras pas, tu passeras pas. Ouh là là. Ouh là. Une sacrée sortie de route là. Après la deuxième place de la dernière fois, ce serait cool d'être sur le podium encore. Allez. Les deux Mercedes sont chaudes. Hein. Faut aller les chercher. J'ai lâché le volant d'une main, quoi. Oula. Je prends trop de risques. Faut pas se tendre. Faut pas être tendu. Allez. Ça va, je fais un petit trou sur le Verstappen. J'écrase la pédale comme jamais, je suis à fond là. Ah, ce virage. Ça va être dur d'aller chercher. Faut que je freine un peu plus tard. Ah, c'est jouable encore. Hein. Ils sont pas à l'abri d'un accrochage aussi. Ce serait cool. Allez. On voit ce double. Ouf. Ouais. J'ai vu ça. Je l'ai vu en direct.
Elles se font pas de cadeaux. Raison, raison, c'est la course. Oh, je suis bien pris là, c'est bon, je l'ai bien pris. Je suis juste derrière. C'est bon, Rosberg, je te passe. Ah, j'aime beaucoup ce virage. Hop là, il n'a pas eu le choix. Meilleur tour en course. Ah, je me suis bien revenu sur la fin du tour là. On lâche pas, on lâche pas. Avant-dernier tour. On passe à la corde. Je surkiffe le jeu. Quand vous avez un bon volant aussi, ça aide. Même si je pense qu'à la manette, ça peut être génial aussi. Allez, 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 allez. Prends un peu large. Allez, à fond. On va encore prendre 18 points. Ou plus. Je veux 25 points là. Allez. Oh là, j'ai un petit freeze là. Je pense que vous l'avez vu aussi. C'est chaud. Je vais faire le même coup là. Allez. Là, je passe. C'est parfait, j'ai bien fait d'attendre. Il faut tenir maintenant. Allez, on tient. J'ai freiné tard là, j'ai freiné tard. Il est pas loin. Il y a Rosberg aussi. Alors pas de bêtises. Je suis tendu là. Je suis tendu comme un string. Première victoire dans le jeu. Ils sont juste là, ils sont juste là. Ils me mettent à pression. C'est en forêt. Il revient fort, il revient fort. Il va me doubler. Et ouais, c'est moi, c'est moi. C'est ma faute. Je me suis décalé. Oh, c'est chaud. Non. C'est pas vrai. Là, je me suis vraiment tendu, là. J'ai fait la première boulette. Après ça allait, c'est revenu, mais après on s'est accroché. Allez, la deuxième place. Ah, je suis dégoûté. Dégoûté. Je suis content de la deuxième place, mais je suis dégoûté parce que je pensais avoir vraiment la première là. Ah, mais il m'a mis la pression, je les voyais revenir dans ma rétro, tout. Et il allait me doubler et j'ai fait un petit écart malheureusement. Tout est parti de là. Mais la pression au volant, les amis, c'est un truc de malade. En tout cas, on a pris 2 points. Non, on a fait une deuxième, pardon. On a pris 18 points en plus. C'est bon pour le classement, ça. Et c'est bon pour le classement rival aussi, parce que Carlos Sainz, il est loin derrière. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Ah,
Bon ben voilà, on se fait quand même le podium, hein. Verstappen 3ème, c'est même pas Rosberg. Ah si, c'est Rosberg qui m'a doublé en fait. Oh là là, mais je crois que c'était Hamilton qui avait gagné. On s'est accroché, c'est Rosberg qui en a profité. Oh là 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 là. Bon, on finit 2ème quand même. Verstappen 3ème. Mais Hamilton, il est où? On va voir ça. Ils font un peu peur quand même avec leurs yeux par moment. Super. Deuxième place. Cette nouvelle manche du championnat du monde, à quoi ressemble le classement pilote. Nico Rosberg prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Alors Nicolas Martin... Oh le pauvre Hamilton, 19ème. Après l'accrochage, il n'a pas pu repartir de suite. Oh le pauvre. A été le plus méritant. Nous l'avons suivi dans plusieurs autres championnats. Bon, du coup, on est 2ème, c'est parfait. Super. Et au classement général, on est 5ème. Mercedes creuse l'écart au sommet du classement. Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end. Rosberg devant Hamilton, Vettel, Ricciardo, Chou. C'est bon, et Verstappen 6ème. Carlos Sainz 7ème. Ça, c'est cool, on est 5ème au classement général. Bah, c'est parfait, on remonte petit à petit, et c'est bien ça le principal. Alors, mise à jour du face-à-face avec Sainz. On le bat de partout pour l'instant. Là non. Là oui. Là oui. On l'a battu de partout sauf sur le premier secteur. Et on est 13 sur 30 et lui 6 sur 30. C'est bon ça. On est en train de le fracasser. Et c'est un bon point. Voilà, je vous dis à très très vite pour l'épisode numéro 5 de ce F1 2016. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je suis vraiment déçu. La prochaine fois, c'est la bonne. De deuxième place, c'est fini. Je veux pas être le poulidor de la F1. Donc du coup maintenant, on va jouer la gagne. Tout le temps. Allez, ciao.